Muito obrigado. Sejam bem-vindos a mais esta sessão do nosso seminário de estudos via Baixo Guiana, coordenado pela Catarina, pelo Gonçalo e por mim. Eu vou falar duas pequenas palavras em português, de facto, acho que vai estar servido para com a nossa cliente, e depois irei apresentar em português. Tá? João Aventure, vous remercier de votre disponibilité pour être ici avec nous aujourd'hui et de pouvoir parler d'un sujet personnellement extrêmement intéressant. Et je voudrais aussi remercier la Poste Lourdes Rosa d'avoir fait un petit peu le pont pour nous rendre possible cette petite séance. Vou passar a apresentar a professora Nathalie Baruchov, que é professora de História da Idade Média na Universidade de Paris Este, reitoria da Albinal. A professora Nathalie fez o seu doutoramento em História da Idade Média na Universidade de Paris 1, o professor Bernard Guénin, com uma tese sobre o clero do Collège Navarre, da sua fundação em 1305, ao début do 15e século, 1418, Histoire de l'Institution, de sua vida intelectual e de sua obra curricular. E foi uma tese, de facto, revolucionária, no sentido em que, pela primeira vez, tínhamos um trabalho de fundo sobre um colégio parisiense, não como se tinha feito no final do século XIX, início do século XX, muito positivista, mas sim uma verdadeira história de um colégio que, de facto, com o recurso ao método prosopográfico, na altura, não tinha a pujança que tinha hoje, que de facto veio um bocadinho estabelecer de facto um modelo para os estudos dos colégios que depois, mais tarde, de facto vieram a realizar, portanto estamos a falar de uma tese dos anos 90, sobre um dos mais importantes colégios parisienses, que aliás depois no século XVI iria acolher alguns portugueses, como o Diogo Lopes Rebelo. E, portanto, foi uma tese modular e, de facto, que ainda hoje permanece de toda a atualidade. Depois, a professora Nathalie fez uma habilitação a dirigir de recherche, neste caso agora, já não Paris 1, mas Paris 4, com o professor Jacques Vergé, intitulada relativamente sobre a Universidade de Paris e os seus colégios de Itália. Portanto, alargando o tema, não somente à história das universidades, mas também à história dos próprios colégios parisienses, que continuam a ser um dos seus temas, de trabalho privilegiado. Embora tenha também alargado um pouco o tema às populações de estudantes e, sobretudo, a algo que nós não temos muito a sensibilidade cá em Portugal, porque não há assim tantas fontes como isso, que são as práticas religiosas no mundo universitário, que é uma coisa muito interessante, que nós temos pouca coisa e que, de facto, é algo que, por exemplo, nós cá podemos explorar. Essas práticas religiosas, como nós sabemos, há procissões, há missas que os estudantes deviam assistir, há também práticas ligadas aos funerais, como de rituais de morte, e de facto os estudantes estão implicados, e que nós não temos muitos dados relativamente a isso. E também, um último tema, sobre a questão mais lata, não somente do caso parisiense, mas também destas primeiras universidades ocidentais no século XIII, Paris, Oxford, Bolonha, que é um pouco também no âmbito da temática que a professora Nathalie hoje nos dá a falar. E, por último, o último ponto do seu currículo, a preparação de uma história cultural do Ocidente, que a professora neste momento prepara para a editora Hachette, não é? Portanto, uma história já mais global de síntese sobre este fenómeno, que obviamente ela tão bem conhece, dado todo o tempo de trabalho. E hoje vai falar-nos de um pequeno episódio que, se repararem, tem 2, 3 anos, mas que, na verdade, vai ser enormes repercussões para o desenvolvimento do mundo universitário. Não vou levantar mais o véu, mas, de facto, isto não é muito mais do que um pequeno episódio. É algo que depois vai ter enormes repercussões no próprio desenvolvimento das universidades. Mas já falei demais, então eu gostava de dar a palavra à professora, que nos vai falar, portanto, hoje, de um tema da comunicação intitulada La Grande Grève et Dispersion de l'Université de Paris et les sorts de l'Université Européenne do 79 do Centro de. Je m'excuse d'avoir fait d'appeler un peu plus de temps, et donc surtout en portugais, mais je voulais quand même que soyez un petit peu quelques repères de votre travail. Dans la parole, merci beaucoup de votre disponibilité.
Merci. Donc, je remercie beaucoup les collègues médiévistes de l'Université Nouvelle de Lisbonne. Et par avance, je m'excuse de ne pas être capable de vous faire la communication en portugais. Donc je vais parler lentement et montrer des textes. Mais après, quand j'aurai parlé, si vous avez des questions ou s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises, je pourrai les répéter ou les expliquer. Donc la grande grève de l'Université de Paris et l'essor des universités européennes. Dans le cinquième tome de ses Chronica Majora, Mathieu Paris, qui est un chroniqueur anglais, un moine, livre un témoignage très détaillé sur cet épisode de la grève et de la dispersion de l'Université de Paris. Voilà le texte que je vais lire lentement, qui est un récit de l'épisode, traduit du latin en français. Cette même année, la seconde et la troisième férie avant les cendres, jour auquel les écoliers en théologie ont coutume de se livrer à la joie, quelques-uns d'entre eux sortirent de Paris, du côté de Saint-Marcel. Le temps était beau et le lieu propice pour s'y récréer comme d'habitude. Arrivés à Saint-Marcel et échauffés par le jeu, ils entrèrent dans un cabaret où se trouvaient par hasard d'excellents vins, très agréables à boire. Une discussion s'étant élevée sur le prix du vin entre les cabaretiers et les clercs attablés, on commença à se donner des soufflets, à se frapper, à s'arracher les cheveux, mais les gens de l'endroit accoururent, délivrèrent les cabaretiers des mains des clercs. De plus, ils accablèrent de coups ceux qui résistaient et les forcèrent à prendre la fuite après les avoir bien et bellement fustigés, c'est-à-dire frappés. Les clercs rentrèrent tout meurtris à la ville et appelèrent leurs camarades à la vengeance. Le lendemain, ils se rendirent à Saint-Marcel, armés de glaives et de bâtons, entrèrent violemment dans la maison d'un cabaretier, défoncèrent tous les tonneaux de vin, le répandirent sur le pavé, puis ils parcoururent les rues, assaillirent avec fureur tous ceux qu'ils rencontrèrent, hommes et femmes, les blessèrent et les laissèrent à demi-morts sur la place. Le prieur de Saint-Marcel, instruit de la violence exercée sur ces hommes, qu'il était tenu de défendre, déposa plainte entre les mains du légat romain et de l'évêque de Paris. Ceux-ci vinrent trouver la reine, alors investie de la régence du royaume, et lui demandèrent d'ordonner la punition d'un pareil attentat. La reine, avec la légèreté ordinaire des femmes, et n'écoutant que le premier moment de colère, commanda sur le champ, tout de suite, au prévôt de Paris et à quelques-uns de ses routiers, de ses sergents, de s'armer et de sortir en toute hâte de la ville pour punir les auteurs des violences. Sans épargner personne, ceux-ci, toujours bien disposés quand il s'agissait d'être cruels, franchirent en armes les portes de la ville, rencontrèrent hors des murs plusieurs clercs occupés à jouer et qui n'étaient aucunement coupables de l'excès qu'on voulait punir. C'étaient des innocents. Ceux-ci, en effet, qui avaient causé le combat, les vrais auteurs du désordre, étaient de ce pays qui touche à la Flandre, de ces gens qu'on appelle vulgairement Picards. Sans prendre plus d'informations, les satellites, donc les sergents, se jetèrent sur ces innocents qu'ils voyaient désarmés. Ils tuèrent les uns, blessèrent les autres, accablèrent cela de coups, les dépouillèrent, les traitèrent inhumainement. Quelques-uns d'entre eux échappèrent par la fuite et se cachèrent dans les vignes et dans les carrières. Parmi ceux qui périrent de leurs blessures, se trouvèrent deux clercs fort riches et de grande réputation. L'un était d'origine flamande, l'autre normand de nation. Cet énorme abus d'autorité étant venu aux oreilles des maîtres de l'université, ils commencèrent par suspendre toutes les leçons à argumentation. Puis ils allèrent se présenter à la reine et aux légats, leur demandant avec instance de leur faire rendre justice pour une telle violence.
Il est inique, disait-il, qu'on ait profité d'un prétexte si léger pour faire tourner au préjudice de l'université tout entière un désordre imputable seulement à quelques misérables et méprisables clercs. C'est celui qui a commis la faute qui doit en porter le châtiment. Mais la reine, le légat et l'évêque de Paris s'étant complètement refusés à leur rendre justice, les maîtres de l'université, ainsi que les écoliers, se dispersèrent. Les docteurs cessèrent leurs enseignements et les écoliers leurs études, en sorte que de tous ces hommes au nom fameux, il n'en restait plus un seul dans la ville. Ainsi, Paris demeura privé de ses clercs qui faisaient sa gloire. Parmi ceux qui se retirèrent, se trouvaient de célèbres Anglais, tels que maître Alain de Bec, maître Nicolas de Fernham, maître Jean Leblanc, maître Raoul de Maidstone, maître Guillaume de Durham et plusieurs autres qu'il serait trop long de nommer. La plus grande partie des maîtres choisit la ville d'Angers pour y fixer le siège métropolitain de l'université. Alors, en quittant la ville de Paris, nourrice de la philosophie et élève de la sagesse, les clercs vouèrent à l'exécration le légat romain, maudirent la reine et son orgueil de femme, et lui reprochèrent son honteux commerce avec le légat. Et s'en allant, les valets ou goujats de clercs, ceux qu'on appelle d'habitude goliards, chantaient des vers grotesques de leur façon. Aïe aïe, nous mourons, on nous renverse, on nous attache, on nous noie, on nous dépouille, c'est pour le beau du légat que nous souffrons ces maux. Un versificateur plus réservé s'est servi d'une apostrophe ou prosopopée dans laquelle la ville de Paris s'adresse aux clercs en gémissant. « Mes clercs, je tremble de crainte parce que vous voulez m'abandonner. Je suis accablée de douleur. » C'est Paris qui parle. Enfin, par les soins de personnes prudentes, on travailla à faire des deux côtés les concessions qu'exigeaient les torts mutuels. La paix fut rétablie entre les clercs et les habitants. Et l'université vint se réinstaller à Paris. Voilà donc le récit le plus précis de cet épisode, entre 1229 et 1231. On parle de conflit « town and gown » en anglais. Donc ce conflit, l'exécution des étudiants, la mort des étudiants, l'exécution par le prévôt, a eu lieu le 27 février 1229. Tout de suite, la grève a commencé, les maîtres ont arrêté d'enseigner. Trois semaines après, en mars, il y a eu un sermon par un maître en théologie très fameux qui s'appelait Eudes de Châteauroux, qui a demandé la réparation de ses torts à l'université. Il a appelé au pape, mais cela n'a pas eu d'effet. L'université a menacé de partir et finalement elle est partie. Pendant 2 ans, elle a quitté Paris. Donc c'est la première grave crise de l'université de Paris qui existe depuis environ 20 ans. Elle est fondée, organisée vers 1207, donc ça fait à peu près 20 années. Pendant 20 années, il n'y a pas eu trop de crises, pas trop de conflits, et ça, c'est vraiment le premier grand conflit. C'est une affaire connue dans l'histoire des universités au Moyen Âge, c'est un des conflits universitaires les plus fameux. Ce qui est aussi très connu, c'est son règlement. En 1231, c'est une bulle pontificale qu'on appelle la bulle Parens Scientiarum, qui est délivrée par le pape Grégoire IX, qui a réglé ce conflit et qui a donné des privilèges à l'université de Paris pour faire revenir l'université. Les questions qu'on peut poser à propos de ce récit et de cet épisode, donc certaines de ces questions, je vais essayer d'y répondre par cette conférence, c'est qui étaient les maîtres et étudiants qui ont décidé de partir et où sont-ils partis? Où est partie l'université pendant 2 ans? Et quelles ont été les conséquences de ce départ un peu partout en Europe? Parce que
si Matthieu Paris parle d'Angers, en fait, c'est un récit partiel, enfin, il n'y a pas toutes les informations. Ils sont partis à Angers, mais ils sont partis aussi en Angleterre, ils sont repartis en Italie. Il faut comprendre que les maîtres et les étudiants venaient de toute l'Europe à Paris. Et parce que l'université s'est dispersée, ils sont repartis, pour la plupart, dans leur région ou leur royaume d'origine. Et dans certains cas, cela a développé des nouvelles universités en Europe, parce qu'ils sont partis. Donc ce que je vais essayer de vous montrer. Le cas, le principal cas, c'est Oxford, qui existait depuis, qui avait été fondé en même temps que Paris, mais qui ne fonctionnait pas beaucoup, qui était une université qui attirait peu d'étudiants. Et quand les maîtres anglais de Paris sont revenus à Oxford, l'université d'Oxford s'est mise à fonctionner et à devenir une université importante. Et c'est vraiment lié à la grève de Paris. Donc, quelques mots sur le conflit d'abord, ce conflit raconté par Matthieu Paris jusqu'au départ des maîtres. Ce sera la première partie. Donc vous l'avez compris dans ce récit de Matthieu Paris que je vous ai projeté parce qu'il est assez clair. Le 26 février, un petit groupe d'étudiants sort à Saint-Marcel, c'est-à-dire donc les écoles, l'université de Paris, les cours se situer là, sur la rive gauche, dans ce qu'on appelle le quartier latin, aujourd'hui. Donc il n'y avait pas encore cette carte, et n'est pas une carte du moyen, enfin, pour le XIIIe siècle, je l'ai trouvée, mais il n'y a pas du tout de Sorbonne, puisque la Sorbonne, c'est le collège de Robert de Sorbonne, il est seulement fondé vers 1257. Donc vous ne regardez pas ça, il n'y a pas de Sorbonne, mais il y avait les cours. Les cours de l'université se tenaient dans ce périmètre, dans ce quartier, et les étudiants sortaient pour aller un peu dans la campagne, quand il n'y avait pas de cours, par exemple ici à Saint-Marcel, dans le Faubourg, en dehors de Paris. Donc vous avez compris, ils sont sortis dans le Faubourg Saint-Marcel, ils ont été dans une taverne, ils ont bu trop de vin, ils n'ont pas voulu payer le vin. Ils se sont bagarrés avec le cabaretier et ils ont été chassés par les bourgeois. Donc, jusque-là, et ça, c'est un schéma de conflit universitaire classique. C'est-à-dire, on a un premier épisode pas très grave d'opposition entre les bourgeois et les étudiants. Il y a un article de Jacques Verger sur ces conflits town and gown où il explique que dans tous les conflits town and gown au Moyen-Âge, c'est toujours le même schéma. D'abord, une opposition entre étudiants et maîtres, étudiants et bourgeois, puis des étudiants qui viennent un peu perturbés et le lendemain, donc des étudiants avec des armes. Matthieu Paris dit que ce sont des picards, donc il n'aime pas les picards, il n'aime pas les flamands, donc ce sont les étudiants les plus agités pour lui. Donc ils sont venus. Et ils ont fait semer la terreur, ils ont fait un peu peur dans le quartier. C'est ce qu'ils racontent. Mais ça encore, il y avait peut-être quelques blessés et ça n'avait pas encore de grandes conséquences. Mais le prieur de Saint-Marcel, le prieur du prieuré de Saint-Marcel, c'était donc sa seigneurie et lui, il voulait qu'on protège les bourgeois. Donc il a appelé à l'aide le prévôt de Paris, il a appelé à l'aide la reine. Donc la reine s'appelle Blanche de Castille. Pourquoi une reine? Il n'y a pas beaucoup de reines dans l'histoire du Moyen-Âge en France. C'est toujours des rois. Sauf que son mari, Louis VIII, était mort 2 ans avant, en 1226. Et son fils, qui est un roi très fameux, qui a été canonisé, qui s'appelle Saint-Louis. Donc son fils était trop jeune. Donc elle était régente. Et Matthieu Paris dit qu'elle est légère et qu'elle ne comprend rien. Et donc elle a donné ordre au prévôt de Paris d'aller punir les étudiants aveuglément, tous les étudiants qu'ils allaient trouver dans les rues. Et elle a envoyé le prévôt et ses sergents. Et là on le voit, c'est le lendemain.
ils ont vraiment commis des violences très graves. Et pour Mathieu Paris, elle est la seule responsable. C'est la reine qui a envoyé le sergent et qui a, ces sergents ont tué des étudiants. Donc il cite notamment Mathieu Paris, deux étudiants très riches, un qui est normand et l'autre qui est flamand. Et ça, c'est intéressant sur le profil sociologique des étudiants. Il y avait des nobles et il y avait des étudiants riches à l'université de Paris. Donc il mentionne ces deux-là, mais d'autres ont été blessés. Il ne donne pas de chiffres, mais c'est une répression très meurtrière et aveugle. Par exemple, ce chroniqueur anglais qui s'appelle Raoul de Cockshall, qui a laissé ce petit récit du même épisode, Apud Parisius exhorta est magna discordia, une grande discorde, inter quives predicte quivitatis et scolares, une grande discorde entre les maîtres, et entre les bourgeois et les écoliers, et trucidatis sunt, tam de nobilibus, quam de mediocribus clericis et proiecti in sequana, ferre usque ad trecentos viginti. Ce témoignage est le seul qui donne des chiffres, hein, donc on a 300 étudiants qui auraient été jetés dans la Seine. Donc des affrontements de très grande ampleur. Donc, cette dimension n'apparaît pas chez Mathieu Paris, mais pour Raoul de Cockshall, c'est vraiment de grande ampleur. Il y a eu des centaines d'étudiants qui ont été poursuivis, donc blessés, et qui ont été se jeter dans la Seine pour échapper aux sergents. Donc ce récit-là, il nous donne des informations quantitatives, et c'est le plus précis. Après, ça c'est moins précis, Aubry des Trois Fontaines, c'est une chronique universelle, donc il dit « Guerra pessima nimis et crudelis horta est parisius ». Donc beaucoup de chroniqueurs parlent de cet épisode, y compris des chroniqueurs qui ne sont pas à Paris. Vous le voyez, des chroniqueurs anglais, des chroniqueurs, des historiens qui ont entendu les nouvelles. Donc c'était un événement important. C'est pas seulement un petit événement local. Et il y a beaucoup de chroniques, je vous donne seulement quelques exemples, qui ont parlé de ce grand conflit entre les étudiants et les bourgeois de Paris. Donc, une répression meurtrière. Et ensuite, quelque chose qui a dû être assez impressionnant, les maîtres de Paris, les professeurs de Paris qui sont allés, comme le dit Mathieu Paris, demander réparation à la reine. Donc ils se sont rendus au palais royal pour lui demander réparation. Hein. Donc c'est les maîtres ont été se sont rendus et ont demandé réparation à la reine, mais elle a absolument pas, elle n'a pas entendu, et ça Mathieu Paris est le seul à raconter cet épisode, c'est-à-dire on essaie concrètement de voir les professeurs, combien étaient-ils, quelques dizaines, en groupe, les professeurs de l'université qui sont allés voir la reine, mais il est le seul à raconter cet événement. Et ensuite, il y a eu quelques semaines après, donc le maître en théologie, Eudes de Châteauroux, qui a laissé de très nombreux sermons, qui a prononcé un sermon dont on a conservé le texte, qui a appelé la reine et le pape à donner réparation après donc, ces violences. Et il n'y a eu aucune réponse. Donc finalement, fin mars, les maîtres ont désigné des représentants, et ça c'est aussi quelque chose de très intéressant du point de vue institutionnel, parce que l'université de Paris, comme les autres universités à cette date, ont très peu d'institutions, c'est-à-dire qu'on a une organisation corporative mais on n'a pas grand chose d'autre. Et ça c'est aussi très intéressant, c'est ce décret qui a été écrit par 21 délégués des maîtres, donc représentants des professeurs de l'université, qui ont donc écrit ce petit texte et qui ont menacé, qui ont dit si on n'a pas réparation, si on n'a pas juste, on ne rend pas justice à l'université, nous partirons
Rapidement, et nous resterons 6 ans partis, enfin nous resterons pendant des années partis de Paris, tant que nous n'aurons pas obtenu justice de la reine. Et on n'a pas vraiment de texte comparable à la même époque pour d'autres universités européennes. Donc celle qui existe en 1229, c'est Bologne, c'est Oxford. Alors on a déjà vu par contre, dans les années qui ont précédé, les Parisiens ne sont pas les premiers à se disperser. C'est déjà arrivé en 1204 à Vicenza, en Italie. C'est déjà arrivé à Padova, en Italie, en 1222. Des étudiants de Bologne sont partis à Padoue et ont fondé l'université de Padoue. Et bien sûr, c'est déjà arrivé en 1209, des étudiants de Oxford sont partis à Cambridge, qui était un tout petit bourg, et ont fondé Cambridge. Donc, ce qu'on appelle des migrations universitaires, il y en a déjà eu précédemment. Et les maîtres parisiens imitent les étudiants et maîtres de Bologne ou encore d'Oxford quand ils partent de Paris. Donc, ils n'ont pas de réponse. Et fin mars ou début avril 1229, ils quittent Paris pour deux longues années. Deuxième point, est-ce que toute l'université est en exil? Est-ce qu'ils sont tous partis? Alors, on a plusieurs chroniqueurs qui nous donnent des informations. Donc, Mathieu Paris, vous vous en souvenez, il nous dit il n'en restait plus un seul dans la ville. Il dit il n'en restait plus un seul dans la ville. Ils se dispersèrent, les docteurs cessèrent leurs enseignements, les écoliers leurs études, en sorte que de tous ces hommes au nom fameux, il n'en restait plus un seul dans la ville. Ainsi, Paris demeura privé de ses clercs qui faisaient sa gloire. Et il cite, parce qu'il est anglais, plusieurs maîtres anglais, Alain de Bec, Nicolas de Fernam, Jean Blonde, Raoul de Maistone, Guillaume de Durham. Mais, donc cette liste, elle est extrêmement précieuse. Mais il ne nous parle que de l'univers, de la ville d'Angers comme lieu d'arrivée de ses maîtres. D'autres chroniqueurs donnent plus de détails sur la destination des maîtres et des étudiants. Par exemple, alors pas au Bris des Trois Fontaines, mais par exemple la chronique de Limoges, qui est une chronique anonyme, donne seulement 2-3 phrases. Donc, facta est dissensio inter homines de Burgos sancti Marcelli Parisius et scolares, unde magna fuit inter scolares dispersio, ali namque remis, ali andegavensis, ali aurelianensis, ali in angliam, et sic per diversas provincias fuerunt ad tempus dispersi. Donc, dispersion vers Reims, vers Angers, vers Orléans, vers l'Angleterre et dans diverses provinces. Bernard Guy, qui est un autre chroniqueur un peu plus tardif, à la fin du XIIIe siècle, dans ses Flores Chronicorum, écrit donc, Facta fuit Parisius inter scolares dissensio, quam mox secuta est a tempus multifaria dispersio, ali quidem remis, ali andegavensis, ali aurelianensis, ali vero in angliam, ali in italiam, vel hispaniam, sive in alias mundi provincia, causa studis sunt profecti. Et donc, multi quoque magistri et scolares tolosan venerunt et rexerunt ibidem. Et Bernard Guy est le seul chroniqueur qui donne la liste la plus complète des villes ou des régions où les maîtres et les étudiants parisiens sont partis. Donc on verra successivement ces différentes régions. D'abord, donc, si vous voulez, troisième temps, départ des maîtres anglais et essor de l'université d'Oxford. Mathieu Paris est très précieux
car il nous donne les noms de tous ces maîtres anglais dont on n'aurait jamais su qu'ils enseignaient à Paris s'il ne les avait pas cités. Raoul de Maston, Ralph de Maston, John Blunt, William Durham et d'autres maîtres ont quitté Paris en 1229. Alors, j'ai dressé une petite liste de ces maîtres. Ralph de Maston, mort en 1243, John Blunt, mort en 1248, William de Durham, mort en 1249, Alain de Bec, je ne connais pas sa date de mort, Nicolas de Farnham, mort en 1257, Alexandre de Halès, mort en 1245, Robert Kilwardby, mort en 1279. Donc pour les maîtres anglais, on peut citer ceux-là et d'autres maîtres. Ils partent en Angleterre et ils se mettent à enseigner dans les écoles d'Oxford. Par exemple, Ralph de Maston était maître en théologie à Paris. Il a quitté Paris en 1229. Il est devenu chancelier de l'université d'Oxford en 1231. John Blunt, qui est un maître, quand on travaille sur le début du XIIIe siècle, c'est un maître très fameux parce que c'est un des premiers maîtres qui a commenté les œuvres d'Aristote à Paris et à Oxford, les œuvres qui avaient été traduites en Espagne par Gérard de Crémone. Donc il est l'un des premiers à avoir commenté les traités d'Aristote à Paris et à Oxford. Il a enseigné à Oxford, à Paris. Il a quitté Paris en 1229. Mais assez rapidement, il a délaissé l'enseignement et il est entré au service du roi d'Angleterre. De même, William de Durham est parti à Oxford en 1229, revenu à Paris en 1231, reparti en Angleterre. Et lui est très intéressant parce qu'il a fondé un collège à l'université d'Oxford. Donc avec sa fortune, il a fondé University College à Oxford. Alors évidemment, Matthieu Parry cite ces noms-là parce que c'est les plus fameux pour lui. Mais ça veut dire qu'il y a des dizaines d'étudiants qui les ont suivis. Et sans doute des dizaines de maîtres et d'étudiants sont repartis à Oxford en 1229. Nicolas de Farnham, il avait longtemps enseigné les arts libéraux à Paris. On sait qu'il avait enseigné, étudié et enseigné la médecine à Bologne. Il a été médecin du roi d'Angleterre. Et il n'a plus quitté l'Angleterre après 1229. Il a été confesseur également d'Henri III d'Angleterre, du roi d'Angleterre, dans les années 1230. Et il a été ensuite évêque de Durham. Donc ces personnages-là, ils sont cités par Matthieu Parry parce que c'est des gens importants hein, qui sont devenus évêques. Et il y a d'autres personnages aussi qui étaient des très fameux théologiens, par exemple Alexandre de Halès, qui a été le premier théologien à Paris à commenter les sentences. Ça veut dire qu'il a mis en place un type d'enseignement de la théologie à Paris en commentant les sentences de Pierre Lombard. Il est devenu franciscain et en 1245, quand il est mort, tout l'ordre franciscain a parlé de la mort de ce personnage. C'était vraiment quelqu'un de très fameux. Robert Kilwardby, il était à Paris en 1229, il était plus jeune. Il n'était pas maître en théologie, mais il était peut-être déjà étudiant. Et ensuite, Robert Kilwardby, il est connu parce qu'il a été archevêque de Canterbury, donc c'est vraiment quelqu'un d'important aussi. Voilà, on pourrait citer beaucoup d'autres Anglais qui ont quitté Paris en 1229. Et ils étaient tellement nombreux, il n'y avait pas que des Anglais. Le roi d'Angleterre, quand il a su que l'université de Paris se dispersait, il a écrit aux maîtres de Paris et il leur a écrit une invitation
Donc cette invitation, ce texte, est conservé dans les Patent Rolls. Il est daté du 16 juillet 1229. Et que dit le roi d'Angleterre? Il dit au maître de Paris, « Venez vous installer en Angleterre, vous êtes les bienvenus. » Il était tellement content parce que Oxford ne fonctionnait pas très bien, il n'y avait pas beaucoup d'étudiants à Oxford, c'était une petite université. Et il leur a dit, « Vous êtes les bienvenus, venez tous. Hein, il y a vous serez libres et tranquilles et vous pourrez étudier tranquillement, vous installer. » Donc, ils n'ont pas tous entendu l'appel, mais il est évident qu'il y avait déjà beaucoup de maîtres et d'étudiants anglais qui étaient arrivés en Angleterre à cette date. Et les spécialistes de l'université d'Oxford, l'ouvrage de référence, c'est « The History of the University of Oxford » et notamment les chapitres de Richard Southern et Hackett, tous les deux sont d'accord pour dire que tout a changé à Oxford en 1229, au moment où tout à coup, il y a eu des dizaines de maîtres et d'étudiants qui sont arrivés, notamment évidemment de Paris. Et il y a aussi des actes royaux intéressants qui disent qu'il y a eu beaucoup de problèmes à Oxford, des conflits entre les bourgeois et les étudiants. Les loyers des maisons ont augmenté. Et les étudiants se sont plaints parce qu'il y avait un énorme besoin en logement et les bourgeois augmentaient leurs prix, ils voulaient gagner de l'argent. Et donc il y a des documents royaux qui sont donnés, qui sont publiés par le roi d'Angleterre, qui demandent aux baillis d'Oxford et de Cambridge de maintenir des loyers modérés et donc de rétablir la paix entre les bourgeois et les étudiants. Donc on a dans les sources anglaises les conséquences en fait de ce départ des étudiants parisiens et des maîtres parisiens. Tous ceux qui étaient anglais, qui étaient très nombreux, qui étaient à Paris, sont repartis en Angleterre en 1229, tout simplement. Et ça a créé des difficultés, mais ça a aussi provoqué l'essor de l'université d'Oxford. Ces personnages qui ont été cités par Mathieu Paris, au premier rang desquels Ralph de Meston, sont les personnes qui ont rédigé les premiers statuts, les premiers règlements de l'université d'Oxford à ce moment-là, dans les années 1230, au début des années 1230, et ces premiers statuts d'Oxford ressemblent vraiment beaucoup aux règlements parisiens. Hein, on a vraiment des passages entiers qui reprennent les dispositions et le fonctionnement de l'université d'Oxford, et imité de l'université de Paris, parce que les Anglais sont repartis à ce moment-là à Oxford. Donc ça, c'est la première conséquence, c'est l'université d'Oxford qui se développe grâce à la dispersion parisienne. Autre destination des étudiants de Paris, l'Italie et l'Espagne. Ce sont des maîtres et des étudiants italiens, ce sont des maîtres et étudiants de la péninsule ibérique qui, ne pouvant plus étudier ni enseigner à Paris, sont repartis. Donc on a quelques noms, c'est difficile de les repérer. Par exemple, Ardengo de Pavie, qui était un théologien italien, qui était depuis plusieurs années à Paris, qui était un étudiant, un disciple de Guillaume d'Auxerre, qui est un fameux maître en théologie de Paris dans les années 1220-1230, repart en Italie et on sait qu'il est presque aussitôt élu évêque de Florence, par exemple. Et il reste évêque de Florence, Ardengo de Pavie, jusqu'en 1249. Donc il est resté pendant presque 20 ans évêque de Florence à partir du moment où il est reparti en Italie. Federico Visconti, il était étudiant en théologie à Paris. On sait qu'en 1229, il repart en Italie, il repart à Pise, où il était chanoine. Et on sait également que là, beaucoup de Parisiens sont repartis à Pise à ce moment-là. Et l'itinéraire de Federico Visconti, il est très bien connu par ses sermons. On a conservé des dizaines de sermons de Federico Visconti qui ont été édités par Nicole Berriou.
qui a pu reconstituer son itinéraire. Alors après la grève, il est revenu à Paris, puis il est reparti ensuite à Pise. Donc on sait exactement qu'il a quitté Paris à ce moment-là. On a aussi des exemples de clercs français, pas italiens, mais des clercs français, qui, n'ayant plus de cours à Paris, ont profité de cette occasion pour aller à Bologne. Il y avait beaucoup d'étudiants français. On n'a pas fait d'études systématiques de ça, mais il y avait beaucoup d'étudiants français depuis le XIIe siècle qui allaient étudier le droit romain à Bologne. Et j'ai retrouvé quelques exemples de clercs français. Par exemple, un certain Robert de Domfront, dont je vous ai indiqué le nom ici. Donc Domfront, c'est une ville de Normandie, c'est une petite ville. Et Robert de Domfront était étudiant à Paris quand la Grande Grève a commencé. Et on le retrouve pendant plusieurs années à Bologne, où il va étudier le droit. Puis il revient au Mans, donc en Normandie, où il devient chanoine, puis doyen du chapitre cathédral, et il le reste jusqu'en 1259. Et c'est un document qui est conservé aux archives du Mans, qui est une sorte de description du chapitre cathédral, qui est un document très intéressant, qui nous apprend cet itinéraire de Robert de Domfront, qui en 1229 est parti à Bologne, plusieurs années, enseigner le droit, étudier le droit et est revenu ensuite au chapitre cathédral du Mans. D'autres exemples encore de clercs pas forcément français, par exemple Gauthier Lallemand, qui était un étudiant allemand, qui était à Paris et qui est parti en Italie au début de la Grande Grève. Donc on a vraiment beaucoup de mouvements d'étudiants de toutes origines vers l'Italie. Alors, on le sait par ce récit. Voilà, Jourdain de Saxe, c'était le maître de l'ordre des dominicains et il a laissé beaucoup de lettres. Et on est au début de l'ordre de Saint-Dominique et donc Jourdain de Saxe prêchait un peu partout pour gagner des nouveaux frères. Et il voulait surtout convertir des maîtres et des étudiants. Pour l'ordre dominicain, c'était prioritaire. Et il est allé à Vercelli, et il raconte dans une lettre qu'à Vercelli, donc cette lettre m'a beaucoup intéressée aussi, il raconte qui il a réussi à faire entrer dans l'ordre dominicain. Et il dit, d'abord au début, aucun étudiant ne voulait entrer dans l'ordre. Et tout à coup, soudain, la main de Dieu, toujours généreuse à notre égard, nous a amené maître Walter d'Allemagne, régent de logique, consommé dans son art qui passait à l'université de Paris pour l'un des premiers parmi les maîtres. Et c'est une lettre de 1229. Ça veut dire qu'en fait, il nous explique que ce maître allemand qui enseignait les arts libéraux à Paris, il est aussi parti de Paris en 1229 et il est venu à l'université de Vercelli pour enseigner. Donc on a beaucoup de sources très dispersées qui nous informe sur... Alors, il explique, Jourdain de Saxe, qu'il avait, Walter d'Allemagne, vous le voyez, deux de ses bacheliers les plus forts, c'est-à-dire qu'il était parti à Vercelli avec ses étudiants, et notamment des bacheliers qu'il avait suivis. Les maîtres ne partent jamais seuls. Donc, chaque fois qu'un maître est nommé, il faut imaginer qu'il y a peut-être 10, 15, 20 étudiants avec lui, c'est-à-dire une classe entière. Et là, il y avait avec Walter d'Allemagne deux bacheliers en arts libéraux. L'un était provençal et l'autre était lombard. Vint ensuite un excellent étudiant allemand en droit canon. Et on voit tous ces personnages qu'il rencontre à Vercelli, qui sont probablement des gens qui ont quitté Paris aussi pour venir à Vercelli. Donc ça, c'est les départs vers l'Italie. Mais on a aussi des exemples vers l'Allemagne. Vers l'Espagne, vers la péninsule ibérique. Et ça, c'est beaucoup plus difficile à repérer les personnages. Donc Bernard Guy nous a dit qu'il y a eu des départs vers l'Allemagne, vers l'Espagne, Italiam, well, Hispaniam. Et il y a quelques exemples, je citerai seulement un personnage,
On a quelques clercs espagnols qui étaient à Paris, qui sont repartis en Espagne, et notamment un assez fameux qui s'appelle Pierre d'Espagne, qui était médecin et qui a terminé sa vie comme pape, hein, sous le nom de... Jean 21. Exactement, Jean 21. J'ai cherché Jean 21. Donc il a été médecin du pape, puis il a été pape lui-même. Donc si c'est bien le même personnage, Pierre d'Espagne, il était aussi à Paris et il a quitté Paris en 1229. On a aussi une dispersion en France même de très nombreux étudiants ou maîtres. Donc seulement quelques exemples. Simon Doty, par exemple, qui était un étudiant originaire de Picardie, dont on sait qu'en 1229, il est reparti à Amiens. Et là, il a retrouvé un groupe d'écrivains qu'on appelle les Trouvères d'Arras, qui sont des poètes qui écrivent des poésies et des chansons qu'on appelle des pastourelles, enfin des chansons en français. Et on sait que ce Simon Doty a rédigé des poésies et des chansons d'amour là à Amiens et à Arras après 1229. Donc il a fait tout autre chose que des études et de la philosophie. On sait, on a plusieurs témoignages, et même Mathieu Barry en parle, d'étudiants qui sont repartis à Orléans, à Angers, ou encore à Reims. Alors, et il parle par exemple, voilà, dans ce passage, je ne vais pas le lire pour gagner du temps, il explique qu'à Orléans, dans les années 1230, après, en 1230, 1231, 1232, il y avait beaucoup de troubles entre les clercs et les bourgeois. Et probablement là aussi un afflux, une arrivée très massive d'étudiants qui ont provoqué des troubles entre la ville et la population étudiante, avec des troubles assez graves, qui sont donc racontés ici, dans la ville d'Orléans, mais on sait très bien que les écoles de droit d'Orléans ont pris leur essor, se sont développées à partir de 1229. Donc beaucoup d'étudiants de Paris sont venus à Orléans, et ça a provoqué le développement des écoles de droit. Autre destination des maîtres et étudiants parisiens, il y a une coïncidence entre la grande grève, la grande dispersion de Paris et la fondation de l'Université de Toulouse. L'Université de Toulouse, elle est fondée en avril 1229, exactement au moment où l'Université de Paris se développe, quitte Paris. L'Université de Toulouse est créée par le traité de Paris. Alors, ce traité de Paris, il a contraint le comte de Toulouse à fonder une faculté de théologie à Toulouse. Alors, pour quelle raison ? Pour lutter contre l'hérésie, pour lutter contre les cathares. Il fallait un enseignement de la théologie. Mais quand on crée une université, il faut des étudiants et il faut des professeurs. Il n'y en avait pas à Toulouse. Donc, c'était tout à fait un bon moment pour créer cette université de Toulouse, puisqu'il y avait là des Parisiens qui cherchaient une ville où s'installer. Et il y a ce maître anglais, Jean de Garlande, qui était un maître en arts libéraux, un maître en grammaire, qui est parti à Toulouse et qui a écrit cette lettre aux maîtres et aux étudiants de Paris. Alors ce document, on ne sait pas s'il a été réellement envoyé ou si c'est juste un exercice de rhétorique rédigé par Jean de Garlande. Mais le thème de ce document, de cette lettre, vous voyez, c'est une lettre pour inviter les maîtres et les étudiants de Paris à venir à Toulouse. Lui est venu à Toulouse s'installer. Au début, il était très content de venir à Toulouse lutter contre l'hérésie et enseigner la bonne doctrine. Et assez rapidement, Jean de Garlande a eu envie de partir de Toulouse, parce qu'à Toulouse, il se passait des choses assez horribles. Il raconte, par exemple,
qu'on déterrait les corps des hérétiques pour les brûler. Hein, donc il y avait une chasse anti-hérétique. Et donc s'il était très enthousiaste au début, quand il est arrivé à Toulouse, après, au bout de quelques mois, il s'est enfui et il est reparti à Paris, car l'ambiance à Toulouse était une ambiance qui lui a beaucoup déplu. Des crémations, des exhumations publiques de corps d'hérétiques. Mais il est resté quand même 2 ou 3 années, de 1229, et donc Jean de Garlande est un des premiers maîtres de Toulouse. Ce qui a attiré les maîtres aussi, c'est que le comte de Toulouse avait fondé l'université à Toulouse et s'était engagé à leur verser des salaires. Or, vous savez peut-être que les maîtres dans les universités n'avaient pas de salaire. Souvent, ils n'avaient pas de revenus, hein. Ils n'étaient pas payés, sauf par les étudiants ou par des prébendes ou par des bénéfices ecclésiastiques. Donc plusieurs maîtres sont venus à Toulouse, au début de Toulouse, après avoir quitté Paris. C'est le cas de Jean de Garlande. On peut aussi citer Hélinan de Froimont ou bien Roland de Crémone. Donc Roland de Crémone, c'est un Italien qui enseignait à Paris en 1229, qui est aussi assez fameux parce qu'il avait d'abord enseigné à Bologne, et Géraud de Frachet, dans son histoire des premiers frères dominicains, raconte que Roland de Crémone était un maître en philosophie très connu à l'université de Bologne, et un jour il avait décidé de prendre l'habit dominicain de façon très spectaculaire au milieu des étudiants. Il y avait des dizaines d'étudiants et il l'avait fait devant tout le monde. Il avait pris l'habit et fait sa conversion publique. Il était venu ensuite à Paris et en 1229, il a quitté Paris. Il est allé enseigner la théologie à Toulouse et ensuite il est reparti à Bologne où il est mort en 1259. Donc pour conclure, cette grève, cette grande dispersion de 1229-1231 est la première crise grave qui affecte l'Université de Paris depuis sa naissance, depuis sa création. Il y a des maîtres qui sont restés à Paris pendant la grève, en particulier les chanoines du chapitre cathédral de Notre-Dame de Paris qui n'ont pas suivi la grève, mais la plupart des professeurs et des étudiants sont partis. Après 2 années, le pape Grégoire IX parvient à mettre un terme à cette crise en publiant une bulle qu'on appelle la bulle Parens Scientiarum, en avril 1231. Cette bulle, on l'appelle aussi souvent la grande charte Magna Carta, la grande charte de l'Université de Paris, car elle fait la synthèse des privilèges, des statuts de l'Université. Cette charte accorde aux maîtres et étudiants de Paris le droit de grève, et ils ont pu utiliser ce droit de grève ensuite pendant des siècles jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Après, ça a été terminé, mais ça a duré jusqu'à la fin du XVe siècle. L'impossibilité, ils reçoivent aussi du pape l'impossibilité d'être excommuniés. On donne aussi, on confère la licentia docendi à ceux qui ont enseigné en dehors de Paris, qui ont étudié en dehors de Paris. La bulle Parens Scientiarum donne l'absolution aussi pour tous ceux qui ont pu être condamnés pendant la grève. Et on sait que, enfin, à ce moment-là, le pape dit, bon, il y a aussi une dimension doctrinale à cette grande charte, car depuis le début du XIIIe siècle, certains textes ne pouvaient pas être enseignés à Paris, et notamment les textes de métaphysique d'Aristote. Et dans sa grande charte, le pape dit « on va créer une commission qui va examiner ces textes ». Mais la commission n'a jamais
donné de résultats, ça veut dire qu'après 1231, il y a une liberté complète d'étudier tous les traités d'Aristote, y compris les traités métaphysiques. Tous les traités d'Aristote ont été ensuite enseignés. Donc une grande liberté d'enseignement a été accordée après 1231 par l'autorité pontificale. Mais la conséquence principale, il me semble, de cette grande dispersion, c'est que les maîtres et les étudiants de Paris sont partis en Picardie, en Champagne, à Reims, en Angleterre, en Italie, en Espagne, à Orléans et à Angers, et ils ont développé des écoles, donc des centres scolaires, qui n'ont pas été tout de suite des universités, mais à Orléans et à Angers, les écoles se sont développées à ce moment-là et sont devenues des universités au début du XIVe siècle. L'université d'Oxford a pris un grand essor à ce moment-là, l'université de Toulouse aussi, et des petits centres scolaires comme Palencia ou León dans la péninsule ibérique ont aussi été dynamisés par cette arrivée de maîtres parisiens. Il y a enfin eu circulation des modèles institutionnels parisiens, puisque par exemple à Oxford, c'est le modèle institutionnel parisien qui a été adopté grâce à la dispersion parisienne. Voilà, je vous remercie beaucoup. J'espère que vous avez pu comprendre et je peux répondre à des questions.